Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'épopée rétro 2.0. Très content de vous retrouver, d'autant plus qu'aujourd'hui on va faire un truc assez cool. On va de nouveau build. Alors j'ai pas encore fait l'escalier dans le monster spawner, enfin dans la ferme XP. Je n'ai pas mis de hopper, je suis pas allé fermer hors caméra. Non, je suis allé fermer autre chose hors caméra. Je me suis, donc vous l'avez vu dans le titre, on va faire une ferme à villageois automatique. Je me suis aidé d'un tuto, de cold génération. Là, c'est un québécois. J'ai fait du terraforming. Voilà, donc la ferme à villageois sera ici. Et je suis allé fermer tout ce dont on a besoin. Donc, il a mis la, comme sur beaucoup de tutoriaux, pardon. Les youtubeurs mettent toutes les ressources dont on a besoin. Donc, voilà, j'ai fait tout. J'ai fermé tout ça. On aura besoin de tout ça. Ça n'a pas été très long. J'ai mis quoi, un petit quart d'heure, 20 minutes à tout fermer. On va avoir besoin de tout ça. Et on va commencer tout de suite. Donc du coup, je vais avoir le tuto sur sous les yeux. Alors, on va prendre déjà un peu tout ça. On a besoin de quelques sources d'eau, des lits. Voilà, on a besoin de tout ça. Donc, j'ai une main aussi. Et des carottes, puisque... Alors, j'ai enlevé toutes les carottes qui étaient dans cette ferme-là. Je les ai remplacées par des pommes de terre, parce qu'à partir de maintenant, les carottes... Ah bah non, du coup non, bon on verra bien. En tout cas j'ai enlevé toutes les carottes et les pommes de terre, on les remettra plus tard. Mais parce que du coup on va avoir besoin de carottes pour cette ferme. Donc voyons voir ce qu'il fait. Alors faut juste que je vois pour les mesures. Ouais, elle va être à peu près par là, donc du coup... Bah le coffre il va jarter à un moment je pense. Hein. On va le dégager le coffre à un moment parce que ça va être compliqué sinon. Si jamais je me plante, j'ai pris ça. Donc, ouais, là, ça me paraît bien. Ça me paraît bien, allez, let's go. Ok, il va de 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Parfait, bon, hop, voilà, nickel. Ça va être un épisode un peu chill, les amis. Hein. Je vais build en votre compagnie en même temps de regarder le tuto. Donc si je fais des. Si je m'arrête quelque peu et que je parle sans bouger, c'est sûrement parce que je regarde le tuto en même temps. Donc voilà. Voilà. Ça va pas être un épisode avec beaucoup de cuts les amis aujourd'hui. Il y aura pas des masses de cuts. Si peut-être à un moment faudra peut-être que j'aille faire des minecarts. Parce qu'apparemment il a besoin de minecarts et j'en ai pas fait. Enfin le tuto a besoin de minecarts et j'en ai pas fait. Tac, et là je crois qu'on a pile. Ah, presque. On avait juste un de trop. Il y a besoin de gagner une carte dans son design. Mais d'ailleurs j'ai vu le design de sa ferme, elle est vachement belle hein. Et c'est une belle ferme à village automatique. Donc il me faut un composteur je crois. Que j'ai pas crafté. C'est pas grave, je crois que j'en ai un dans mes coffres. Ou alors est-ce que j'en ai un dans mes coffres? Ou non, de toute façon un composteur c'est pas très compliqué à crafter, je crois c'est juste du bois. Ah non, c'est des slabs. C'est des slabs de wab je crois. C'est des slabs qu'il nous faut. Donc je crois que j'en ai 2-3 ici, ouais. Donc alors il me semble. C'est comme ça je crois. Yes, composteur, très bien. Comment ça crée en... C'est composteur en anglais, très bien. Comment se trouve ça? Alors, ok. Donc une fois qu'on aura fini le tuto, lui il a expliqué comment ça fonctionnait. Moi j'ai à peu près compris, je vous réexpliquerai. Du coup, il pose un composteur. Ah bah non, je me suis trompé. C'est pas ce que je voulais faire. Et du coup j'ai perdu ma source d'eau. Ah fait chier. Oh il y a un dauphin. Attends, on a des dauphins là chez nous? Ah oui, je sais plus. Je me souvenais pas qu'on avait des dauphins vers chez nous. Par contre, comment il fait pour poser son truc par-dessus? Ah, il pose une trappe d'or par-dessus, d'accord. Les trappes d'or, je les ai là. Merde. Des sprousses d'or. Et l'eau, elle est toujours là, d'accord, très bien. Ok, où est le... Il est là. Et pas ramasser. Ok. Tac. Ensuite, il pose ça.
Et des torches autour. Hop, hop. Et hop, nickel. Parfait. Voilà. Pour le moment, ça a une bonne, ça a une belle gueule. Je crois qu'elle va utiliser les briques après. Ah, attends, du coup, ça va être le coup de... Ouais, on va faire comme il a fait, ouais. Alors, il fait un trou de combien? De combien de profondeur il fait? De 2 de profondeur, très bien. Je suppose qu'il se centre, donc... ça fait combien? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, le milieu en 3, c'est là, je crois. D'ailleurs, j'ai enchanté ma pelle Efficiency 2, je crois. Ouais, Efficiency 2. Tac. Il fait un trou de 2 de profondeur. Et de 3 sur 6. Ah, ça c'est chiant. Hop. Merde. C'est foiré. Ok. Ensuite, il place des slabs ici. C'est la première fois que j'en fais des fermes comme ça. J'en avais jamais fait avant. Moi, j'avais une autre technique pour avoir des villageois dans Minecraft. Attends, pour le moment, il les ferme pas. J'ai encore de la place ou pas? Parce que là, il fait ça comme ça. Ouais, c'est bon, j'ai de la place. J'aurai pile la place. Hop. Alors, ça me fait bizarre, son tuto, lui, dans son tuto, il utilise un texture pack qui fait très bande dessinée. Genre, je crois que c'est le OCB qu'il utilise. Texture pack que j'utilisais avant, mais que depuis quelques temps, j'utilise plus trop. Ok, maintenant, il place Lily. Hop, non. Tac. Il en manque deux. Normalement, ils sont là. Ah, mais j'en ai même encore trois. Attends, j'ai pas bien fait mon calcul. 1, 2, 3, il lui en faut combien? 1, 2, 3, il en met que 5 lui. Ouais, bah ok. 1, 2, 3, 4. Et un cinquième là. Parfait. Pour le moment on est bon. Ah, c'est chiant. Tac. Voilà. Et là maintenant je crois qu'il va utiliser tout ça. Bien, donc là pour le moment il a j'ai tout refait, donc ça sera des timelapses, hein, là je viens de réfléchir, ça sera un timelapse qui sera fait. Hop. Là il met ensuite des trapdoors ici. Ok, nickel. Pour le moment ça avance bien et ça a de la gueule. Ensuite il ouvre les trapdoors. Il creuse encore un coup. Mais je crois que ça va être... je vais manquer de seau d'eau là. Et le truc c'est que... Oh merde! C'était pas ce que je voulais faire. J'ai pas pensé à ça. Non, c'est pas grave. On va replanter. J'espère que j'ai pas... Que ça n'a pas détruit. Du coup, il me manquera des seaux d'eau. Parce que j'en ai fait encore un. Voilà, il y a les trois derniers qui sont ici. J'ai besoin de ça aussi pour le moment. Dirt. Après le reste, on est bon. De ce côté, je sais même pas s'il avait fait des vitres. Je verrai bien après. Donc là, il a mis sa source d'eau. Et là, il ouvre les trucs. Ok, donc moi, je veux que ça parte par là. Donc, du coup, ouais, autant faire comme ça. Là, il creuse de 2 jusqu'à ce que. Ok, très bien. J'ai compris. Je me suis planté.
Là, il creuse de deux jusqu'à ce que ça ne coule plus. Je sais plus. Là, ça coule une dernière fois et là, ça coule encore après. Oui. À partir de là, il met des trappes d'or encore une fois. J'en ai pas assez. Attends, j'en ai pas fait beaucoup. Il m'en manque. T'es pas sérieux? J'ai pas compris là. J'en ai fait assez pourtant. Ouais, bon, son nombre, il devait pas être exact alors. D'ailleurs, j'en ai profité, les amis, pour aller refaire de la bouffe. De me refaire des pommes de terre et puis aller me refaire un stock de pain. Et j'ai aussi. Je suis allé chercher du spruce dans la forêt qui est juste à côté. Ça m'a pas pris longtemps. Franchement, farmer toutes les ressources dont on avait besoin, ça m'a pas pris des masses de temps. C'est plutôt cool d'ailleurs. Voilà, on s'en refait 6 au cas où. Tac, tac, voilà. Donc, du coup, reprenons. Ça, on détruit. Donc, il a mis des trappes d'or comme ça. Ok. Ouais, jusque-là, ça paraît plus logique, oui. Parce qu'il met des signes. Non. Attends. Ah, merde. Et après? Là, il creuse. Attends, je comprends pas tout, en fait, parce qu'il est pas... Attends, les amis, je fais un cut et je vais juste réécouter ce qu'il dit, parce que vu que j'ai pas le son... A few moments later. Ok, c'est bon les amis, j'ai tout compris. Je m'étais juste trompé, j'avais détruit ça en plus alors qu'il fallait pas. Mais là on est bon normalement. Donc là, va falloir remplacer toute cette longueur là par de la deep plate. Donc dans son tuto, il utilise la deep plate et ça m'arrange parce que comme ça moi je peux me débarrasser de celle que j'ai en trop. C'est vrai que j'en ai beaucoup, la deep plate, pardon. Ensuite là aussi, visiblement, on arrive ici, il met de l'eau. Ah bah nickel, ça c'est tout bon. Ok, jusque-là j'ai compris. Attends, tiens, voilà. Gagner de la place, voilà. Donc là, il remplace tout. Des fois, je remets en arrière, les amis. C'est pour ça que des fois, je vais répéter ce qu'il fait. Comme ça, ça fait pas de blanc. Encore des signes ici. Il m'en reste deux, c'est parfait. Tac. Merde. Il rajoute deux de hauteur. Ok, c'est bon, j'ai compris. Là, il met tout ici. Et là, il guesse que. Il met des vitres. Je le suis pas entièrement, hein. J'ai pas tout compris, hein. Je ne comprends pas tout. Vu que j'ai pas le son, bah. Là, il va mettre de l'eau. Bah, c'est le dernier seau d'eau que j'ai, mais après, si jamais j'en ai encore besoin. Attends, quoi? Bah, il fallait faire ça. Ok, why not. Tac. Je me suis foiré quelque part là. Pas possible autrement. 2000 years later. Non mais c'est moi qui comprends juste rien et qui est mal calculé, enfin comme d'habitude. Du coup, là il a mis l'eau, c'est bon. Là il détruit. Je vais aller dormir. Je vais aller dormir et puis après j'espère que tout va bien se passer. Casse-toi, lâche-moi. Bon normalement tout va bien, tout devrait être ok là. Il devrait plus y avoir de problème. Manger. Bonjour. Allez, casse-toi. Il en a tiré des flèches, dis donc. Ça a la gueule pour le moment. Hein. Ça a de la gueule. Alors, du coup, ça, il l'a détruit. Hop. Voilà. Et après, j'ai besoin du reste. Pour moi, j'ai besoin de ça. Ça, 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 ça. Donc ça, j'en ai pas besoin de ça. On s'en fout. Là, il met un peu Red Rail ici. Attends, quoi? Il détruit les deux ou... Ouais, il détruit les deux. Ok. Il détruit les deux épaisseurs qui étaient là. Ok. Il met un peu Red Rail. Un peu Red Rail ici. Un deuxième là. Il a pris un dispenser. Là. Merde. Je l'ai mal placé. Voilà. Un hopper qui est connecté à celui-là, il met un barrel par-dessus. Voilà. Et du coup, ok, parfait, il rebouche tout. Ok. Ok, nickel. Et là, il a mis... bah là, on met rien. Oui, je me suis foiré dans quelque chose. Ça va pas là, ça. C'est là. Voilà. Et là, on est bon. Il me faut du glace. Et là, boum.
Voilà, pour le moment on est bon. Il a mis un bouton aussi. Je l'ai pas crafté. Oh, fait chier. Est-ce que j'ai de la stone? Oui, je crois que j'ai de la stone dans mes coffres. Il y a beaucoup de choses où il te le dit pas. Hein. Il y a des trucs, genre par exemple, le bouton il était pas dans sa liste de. D'objets, enfin d'objets à collecter. Putain, on va en profiter, on va faire les minecarts. On va pas en faire des masses. Lui il fait un barrel entier. Moi je vais pas aller sur un barrel entier. Hein. Je vais. Je sais pas, je peux en faire combien là? 4. Ça devrait suffire pour le moment, non? Bon, le problème c'est que. Le problème c'est que j'ai pas de place. 2 c'est très bien pour le moment. On reviendra en refaire 2 autres après. Et peut-être hors caméra j'irai miner un peu de fer pour en faire encore. Mais c'est vrai que j'ai pas envie de gaspiller tout mon fer à faire tout ça. Donc 2, voilà, pour le moment c'est bon. Ok, donc là je suppose qu'ils sont dans le dispenser pour le moment. On va mettre le bouton. Ok, nickel. Parfait. Mais je crois que le tuto il est terminé, je crois qu'il a bientôt fini la ferme. Ah, il y a des endroits où il a mis des glaces et que j'en ai pas mis moi. Et après il fait spawner les villageois et il nous montre comment ça fonctionne. Le truc c'est que moi... tiens, il y a là aussi un parmi. Deux carottes. Boum. On fera ça dans le prochain épisode les amis parce que en fait il faut qu'on... Bah du coup vu qu'on doit... comment? Il faut qu'on... Comment? Comment dire il faut... Merde, c'est pas ça que je voulais... Non, faut que je mette une slab, moi. Il faut qu'on utilise des... Comment? Des zombies villageois. Donc faudra qu'on fasse des potions de weakness et tout ça pour les... Pour les amener. Enfin, pour les sauver. Pour avoir l'achievement zombie doctor, je crois. Et après... Là je peux passer mais eux pourront pas passer hein. Voilà. Zombie docteur pour pouvoir les soigner et tout. Et une fois qu'ils seront soignés, on pourra les mettre là-dedans. Et le système fonctionnera. Voilà. Très bien. Au pire on va peut-être le. Non, attendez, je vais regarder à. Oh, au pire, je fais un épisode à rallonge. Bon bah je vais ranger tout mon merdier. Et on se retrouve cette nuit pour et on se retrouve juste après pour faire des potions de weakness. Le problème c'est que là j'ai toujours pas tout. Bon c'est pas grave, je vais me démerder et on se retrouve juste après. Ah oui juste, il y a un dernier truc à mettre. Parce qu'il m'a fait crafter un lightning rod. Il faut le mettre en fait. Je vais vous montrer. Je vais récupérer de l'eau. Voilà. Il l'a mis sur le toit pour pas que les... Parce qu'un villageois qui se fait toucher par un éclair, il me semble que ça se transforme en sorcière. Et du coup faut pas que ça se transforme en sorcière quoi. Alors on va mettre un petit paratonnerre quelque part, genre là, au cas où il y a de l'orage. Voilà. Sinon le de haut ça donne ça, le système, il est plutôt beau. C'est plutôt cool. Et ça a de la gueule en plus. Ça c'est plutôt. C'est super cool. Hop. On va récupérer ça. Voilà. Et ça. Alors, normalement, de mémoire, pour faire des potions de weakness, il faut des yeux d'araignée fermentés. Avec du sucre et un champignon. Si je dis pas de bêtises. Donc, est-ce que j'ai des yeux d'araignée fermentés? J'en ai... Enfin, j'ai des yeux d'araignée, oui, j'en ai un. J'ai de la canne à sucre quelque part d'implantation là-bas. Et après, champignons, j'en ai pas, mais est-ce que j'en ai... dans mon coffre là-bas? On va voir ça tout de suite. Et c'est un non. Ouais, je peux faire du sucre. Donc on est bien d'accord, hein, le d'araignée fermenté ça se fait pas. Ouais, faut un champignon en plus. Bon. Ben, comment faire? Parce que je sais pas où c'est que je peux en trouver des champignons en fait. Bon, je vais essayer d'en trouver. Bon, du coup, j'ai pas eu besoin d'aller très loin pour en trouver. C'était pas très compliqué, j'en ai pas trouvé mes basses, mais ça devrait suffire. Mais en termes de fermenter, j'en ai pas plus. Ah, peut-être que je les ai rangés. Ah, mais non, je sais où c'est que je les ai rangés. Et d'ailleurs, j'en avais pas déjà fait avant. Les yeux d'araignée fermentés. Non. Mais du coup, j'en ai quelques-uns ici.
Bon bah je peux en faire 2 pour le moment, mais j'aimerais en faire 3 des potions de weakness. Et il faut des splash, donc il faut de la gunpowder si je dis pas de bêtises. Bon, on va enfin avoir le succès brewerie là en anglais, là, apprenti chimiste, je crois en français le succès. Gunpowder, voilà. Même s'il y en a déjà qui sont là, mais au cas où. Il me faut un peu plus de sucre. Bon, ça il faut ressortir, super. Déjà, on va faire nos œufs d'araignée fermentés. On va en faire 2. Ben, pour en faire que 2. On va en faire. Ah, mais non, mais 2 ça suffit. Pour faire 3 potions, ça suffit. Oui, je crois. Bon, ok. Alors, 1, 2, 3. On les met là-dedans. Il nous faut. Blaze Powder. Tac, on met d'abord ça, il me semble. Je crois, hein. De mémoire, c'est ça. Et pour faire un splash, oui, parce que ça, c'est mes niveaux 2. Non, ça fait durer dans le temps. La glowstone, ça met au niveau 2. Et ça, c'est splash. Okay. Donc, du coup, là, mundane potion, très bien. Alors, c'est peut-être pas ça. Faut peut-être directement... Parce que si ils sont morts, peut se tomber. Peut-être directement mettre l'œil d'araignée fermenté alors. Local brewery, voilà, c'est ça l'achievement. Ok, donc pas besoin de mettre d'œil d'araignée en fait. Faut directement mettre des fermentés. Oui, en fait, je suis con, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais en plus, c'est même pas ça que j'ai. C'est un nether wart qu'il faut mettre. Oh, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de potion aussi, je m'en souviens plus moi. Potion of weakness, très bien. Maintenant il faut les mettre en splash. Et normalement ça devrait être ça. Et ensuite en attendant il va falloir faire des pommes en or. Et bon pour ça j'ai de l'or donc c'est bon. J'ai ce qu'il faut en termes d'or. J'aimerais bien qu'il arrête de pleuvoir, ça pourrait être cool. Hop. Normalement. J'en ai récupéré. Ouais, j'en ai 14, donc c'est plutôt pas mal. Et j'en ai déjà 4. En fait, je vais pas en crafter. Je vais prendre les 4 qui sont là. C'est grave, très bien. Ouais. Ok, ça c'est tout bon. Ça c'est tout bon. Donc maintenant, je pense qu'on va aller se rendre dans la plaine qui est là-bas pour récupérer un Splash Potion of Weakness. Très bien. Pour aller récupérer un zombie infecté. Un zombie villageois. J'espère que je vais en trouver un rapidement. Ça pourrait être bien. J'ai pas de bouclier. Il faudrait que j'en recrafte un moment, non? Peut-être que au moment où j'en aurai marre de me prendre des flèches dans la tête, peut-être que ça me forcera à refaire un bouclier. Pourquoi pas? Allez, doucement. Oh. Alors. Zombie villageois. Donc si on en trouve un, il faut surtout pas que je le bute. Parce que si je le bute, ben... Ouais, faudra surtout pas que je le fasse des dégâts. Il faudra qu'il me suive jusqu'à ma maison. Parce que comme ça, je vais le faire se désinfecter directement dans le champ. En espérant que ça n'abîme pas mon champ. Enfin, qu'il ne saccage pas mon champ. Mais je crois pas que les zombies fassent ça. Hein. Du coup, il n'y a pas beaucoup de monstres qui veulent spawner. Bon, attendez, je vais en attendre un. Je vais faire une cut et je vous retrouve dès que j'en ai trouvé un. Ah les amis, on a trouvé un, ça y est. Du coup bah alors c'est un fermier lui de base. Ok, très bien. Alors suis-moi. Je vais essayer de te protéger. La nuit vient de commencer parce que j'ai dû attendre un peu longtemps avant de le trouver. Avant qu'il spawn c'était un peu long. Donc là on est au début de la nuit. J'espère que je vais avoir le temps de te ramener chez WAM. Ah oui, mais le problème c'est que si au pire attends. Tu sais quoi, au pire je vais te créer un enclos dans lequel tu vas pouvoir te soigner, parce que si je te mets dans ma ferme, bah le jour tu vas brûler. Donc non, c'est pas bon. Tiens, viens pour là toi. Voilà, toi suis-moi. Il n'y en a pas d'autres, c'est bon. Tu me tues toujours, très bien.
Quoique en fait tu pourrais commencer à te soigner maintenant pendant que... Tiens, prends-toi ça. Viens par là. Parfait. On va commencer à te soigner maintenant en fait en réalité. Oh non. Oh non, bah toi je vais t'avoir à l'arc hein. Prends pas de risque. Le problème c'est qu'il y a son pote. Ah mais non. Tombe pas. Non, bouge, 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 bouge. Putain. Bon, les zombies. L'autre, on l'aura pas. Les zombies d'à côté, là, il tape l'incruste, on l'aura pas. Hein. Attends, quoi c'est. Ah, ça dégage. Amène-toi, toi. Non, ça dégage. Non, n'abîmez pas mon poulain. J'ai dépensé de l'argent. Mais putain, mais. Il me saoule. Bah dégage. Putain, puis il y a mon zombie qui m'attaque. Je sais même pas combien de temps ça prend en fait pour qu'un zombie se soigne. Le problème, ça veut dire que s'il se soigne maintenant, et ben on est dans la merde. Enfin, je suis dans la merde parce que c'est un villageois qui me suivra pas. Les villageois, je peux pas les prendre à la laisse. Donc, en fait, j'ai fait un peu le con de le soigner maintenant. C'est pas grave. On va trouver une solution. Je pense qu'on peut les transporter par bateau de toute façon, les villageois. Donc, jusque là, on est bon. Ah, et puis surtout, s'il se transforme maintenant, il y a tout le monde qui va s'attaquer à lui. Au pire, viens chez WAM. Viens chez WAM. Tu sais, c'est un inconnu, je l'invite chez WAM. Non, allez, viens. C'est tout bon. Prends-moi dedans. Non, j'ai dit tombe là-dedans. Là dans le trou, là dans le trou. Non, dans le trou. Tu me saoules. Merde, c'est moi qui suis tombé. Je suis con. Ah, je suis un peu con, moi. Non, bon, ben ça marchera pas. Au pire, viens te soigne-toi. Mais ça prend combien de temps? J'aime pas combien de temps ça prend en fait. J'espère qu'il va. Bon, s'il commence à faire jour et que. Et qu'il est pas encore transformé en villageois, bah je le mettrai dans ma maison. Puis je le ferai tourner dans ma maison le temps que. Le temps qu'il se soigne. De toute façon, il y a un lit vers chez moi, donc dès qu'il va se transformer, eh ben, il va foncer dans mon lit, je crois. Je pense, j'espère. Et en vrai, je sais même pas combien de temps ça prend. Je sais plus si c'est long ou si c'est pas long, le temps qu'il se transforme, en fait. Bon, là, il pleut, c'est chiant. Eh ben belle comment? Belle épisode de merde hein, enfin je veux dire belle journée de merde hein, sous la pluie. Ouais ben d'accord, il tremble hein, oui. Les villageois ils tremblent il me semble, enfin les villageois zombies ils tremblent quand ils sont en train de se transformer. Je crois que le soleil est en train de se lever. Il y a des creepers vers chez WAM, non mais non. Chier. Et transforme-toi, toi. Bon allez, vas-y, rentre. Bienvenue. Bienvenue, voilà. On va tourner aussi autant que tu veux. Hein. Bon les amis, ah bah c'est bon, voilà, nickel. Zombie Docteur, nickel. Attends, non, bouge, je vais aller dormir. Je vais aller le faire. Je vais dormir. Bon, il dort sur moi, c'est pas grave. Viens, suis-moi. Tu veux venir avec moi, s'il te plaît? Tu viens avec moi. Il y a un composteur là-bas, si tu veux. Viens, et viens chez moi. Viens avec moi. Ok. Bateau. Non, c'est pas ce métier-là qu'il te fallait. Non. Bon, ben, attends, c'est quoi qu'il a? C'est un smoker, donc t'es quoi, du coup?
Leather worker. C'est avec quoi que tu travailles? Avec qu'est-ce? Avec quoi t'as eu ce métier? Avec le smoker? Non. Bon, c'est pas grave. Du coup, on a déjà un des deux qui est fait. C'est très bien. Maintenant, il me faut un bateau. Il faut que je t'enlève ce métier. Donc, t'es où? T'es où? T'es où? Ah, t'es là. Alors, Leather Worker, tu l'as eu avec quoi? Avec ça? Avec un smoker? Non, tu l'as eu avec quoi? Avec quoi t'as eu ce métier? Leather Worker avec... Putain... C'est bizarre, ça me paraît bizarre en fait. Avec quoi t'as eu ce métier? Bon déjà, rentre dans ce bateau. Rentre dans ce bateau, voilà. Voilà. Tu bouges pas, hein. À partir de maintenant, tu auras ce métier. Tac. Ça te plaît comme métier? Bah, ça a intérêt à te plaire, hein. Bon, maintenant faut que j'enlève ce métier. Donc, Leather Worker, avec quoi il l'a eu? Leather Worker, c'est le travailleur du cuir. Donc, qu'est-ce que tu vends? C'est peut-être un truc en lien avec. Oh, tu vends des tenues en cuir. Non, je voulais pas taper, excuse-moi. Bon, au pire les amis, vous savez ce que je vais faire? Vu que je sais pas, merde, je vais, vous savez ce que je vais faire? Bon, techniquement j'aime pas faire ça. Mais vie Ledger, normal, voilà. Toi, désolé. Et normalement tu vas être fermier, voilà, parfait. Voilà, c'est juste parce que je savais pas quel, je sais pas ce que c'était Leather Worker. Bon, du coup, j'ai remplacé ce villageois par un vrai villageois fermier. T'as des réductions ou pas? Non. Bon, vous savez ce que j'ai fait, les amis? Hors caméra, je vais donc. C'est pas ce que je voulais faire, merde. Hors caméra, je vais donc. Aller en rechercher un autre plus tard. Mais pour le moment. Et bah, pour le moment, il va rester tout seul. Voilà. Donc, je pense qu'on va bientôt s'arrêter. Enfin, on va s'arrêter pour cet épisode-là. Et ben voilà les amis, c'est ce qui complète notre épisode de l'épopée rétro 2.0. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, eh bien like, partage, abonnement. Vous connaissez la chanson, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Commandant Rétro. Bye tout le monde.